Quelques mots en hommage à Jeanne. Tout d'abord, merci de vous être mobilisé pour rendre cet hommage à, la, à une des patronnes de, de la France, Sainte Jeanne d'Arc. Merci à Clément Gauthier et à l'Action française de son invitation pour cet hommage. Nous avons besoin de chercher dans notre histoire des symboles forts. Et notre histoire est riche en mythes, en saints, en héros, en saintes, par des temps aussi troublés qu'aujourd'hui, où règne le chaos, où règne le plus grand tourment. Et je trouve que cette statue de Jeanne, amputée, est bien le symbole de la France d'aujourd'hui, la France meurtrie meurtri par euh, des années de gouvernance oligarchique, avec euh, aujourd'hui ce gouvernement qui, euh, avant, euh, mis ces crises sanitaires, était un gouvernement euh, d'incompétents et de voyous, voyous parce qu'ils avaient fait tirer à coups de lanceurs de balles de défense, de LBD euh, ou de grenades offensives contre euh, notre peuple. En révolte légitime pour la défense du travail. Ce gouvernement voyou qui a envoyé ses milices contre ces gilets jaunes dont nous faisions partie, dont nous faisons partie. Et après cette crise sanitaire, nous pouvons dire que ce gouvernement est un gouvernement d'incompétents, puisqu'il a géré une pénurie, il n'a pas géré la pandémie, voire ce scandale des masques. Mais euh, c'est un gouvernement de voyous et aujourd'hui c'est un gouvernement de criminels qui a laissé euh, plus de 10 000 de nos vieux mourir dans la solitude la plus absolue dans les, les hospices euh, aujourd'hui nommés euh, EHPAD. Oui c'est un gouvernement de cr criminels qui a rajouté de la mort à la mort puisque prétendant euh, lutter contre ce virus. Ils ont allongé la durée légale d'avortement de deux semaines. Ils ont légalisé l'euthanasie avec le tri en réanimation des malades. Parce que si le malade avait plus de 70 ans ou était atteint d'une euh, maladie, euh, eh bien, il n'avait pas le droit ou la chance d'être soigné. Avec ce scandale du rivotril, vous savez, c'est ce degré gouvernemental qui a légalisé l'utilisation de ce médicament qui est contre-indiqué pour les maladies pulmonaires, mais qui permettait d'accélérer la fin de vie, comme ils disent, de, 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 de ces malades trop vieux. Pour être soigné, on voit là une société totalement déshumanisée, avec une santé déshumanisée, les églises fermées au culte public, des enterrements faits à la sauvette, alors que bien évidemment on pouvait s'entasser dans les grandes surfaces. On voit le résultat de leur société, et c'est pour ça que nous avons... à combattre avec la plus grande énergie ce système et faire tomber ce gouvernement, je le répète, d'incompétents, de voyous et de criminels. Et pour cela, quel beau symbole que celui de Jeanne, de Sainte Jeanne, qui est le symbole de l'espérance, puisque à un moment donné, euh, avec cette guerre de 100 ans qui s'éternisait, une jeune paysanne qui ne savait pas monter à cheval, qui n'avait jamais brandi l'épée, alors, va à la rencontre du dauphin, le rappelle à ses responsabilités, prend la tête des armées et inverse le cours de l'histoire. C'est la leçon que rien n'est jamais écrit, que tout est une affaire de volonté. Et au pessimisme qui se nourrit du quotidien et de la réalité, il faut opposer cette espérance, l'espérance de Jeanne, que l'on trouve dans le combat et dans le triomphe de la volonté. Donc vous savez, quand euh, Sainte Jeanne d'Arc a pris la tête des armées royales, elle a fait qu'érir l'épée qu'elle savait derrière l'autel de l'église de Sainte-Catherine de Fierbois. cette épée qu'elle savait appartenir à Charles Martel. C'est en brandissant cette épée, parce que Jeanne, c'est cela, c'est l'alliance indestructible. De la couronne, de la croix et de l'épée, quand l'union se fait autour de cela, de la croix, de la couronne et de l'épée, eh bien, la France est irrésistible, elle est irrémédiable. Donc, brandissant symboliquement cette épée de Jeanne d'Arc, cette épée qui est celle de Charles Martel, pour faire triompher la Révolution nationale, pour rétablir le travail, la famille et la patrie. En avant la victoire, Mettre chez nous qui vivent toujours france débarrassée de ceux qui la souillent. alors chers amis euh, merci euh, yvan euh, pour ta présence et merci à, à vous d'être euh, venus. le confinement a donc rendu impossible tout hommage public à la sainte de la patrie pour sa fête nationale fixée le deuxième dimanche de mai et instituée par la loi maurice barrès. cette loi Barès a été une victoire nationaliste sur la république. Et c'est au prix de 10 000 jours de prison que les camelots du roi de l'action française ont imposé à Marianne le culte public de Jeanne. En observant les crises et l'état pitoyable dans lequel se trouve notre pays, qui mieux que Jeanne pourrait nous redonner l'espérance Car c'est bien l'espérance qui fait défaut à certains patriotes français qui ne voient pas d'autre solution que de rallier des partis politiques qui divisent, trompent et se partagent des brides de pouvoir. Jeanne nous appelle à un nationalisme authentique. Si l'action française a toujours vu en Jeanne d'Arc le modèle du nationalisme français, c'est parce qu'elle a regardé en suivant ses voies, en suivant ses voies célestes, l'intérêt national d'abord, cet intérêt national complètement étranger à l'idéologie démocratique. Jeanne nous donne une belle leçon politique. Tant que le pouvoir ne sera pas légitime, le pays sera livré au chaos, à l'anarchie, aux nouvelles féodalités de l'étranger à la fortune anonyme et vagabonde. La compréhension du politique d'abord, ce point de doctrine essentiel de l'action française, pourrait éviter bien des gaspillages d'énergie à certains patriotes qui entendent se battre pour la France. Comme Jeanne, nous pensons que la prise du pouvoir politique précédera à la résolution de tous les problèmes, qu'ils soient sociaux, moraux ou identitaires. C'est pourquoi notre action est d'abord politique avant d'être culturelle. Morale ou religieuse. Nous ne sommes pas nombreux ici, mais nos principes sont clairs et nous sommes certains de posséder la doctrine du salut national. Comme au temps de Jeanne, nous sommes envahis. Mais ces envahisseurs ne sont plus les Anglais. Et aujourd'hui, ils ne sont plus seulement les immigrés. Ils sont ce que Maurras et Drummond, avant lui, ont dit et dénoncé. Alors, quelle est notre mission Que pouvons-nous faire face à cette République judéo-maçonnique Soyons clairs, la réponse est toute simple, notre but est de rester fidèles au combat nationaliste. Nous devons dénoncer sans relâche la République comme le règne de l'étranger qui se nourrit du terreau si fertile de la démocratie et des droits de l'homme. La loi Avia ne pourra pas nous empêcher de crier haut et fort certaines vérités. Elle ne pourra pas nous empêcher de crier ces vérités comme l'ont fait les plus illustres Français lors de leur procès. Je pense en particulier à Jeanne d'Arc, au maréchal Pétain ou à Charles Maurras. Et c'est bien le combat de la vérité que nous devons mener. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, nous devons mettre nos pas dans ceux de Jeanne, qui n'a reculé devant rien. Je finirai par cette, ce beau texte de Robert Brasillac à propos de Jeanne. Je cite Jeanne nous propose avec ce sourire la magnifique vertu d'insolence. Une jeune insolence, une insolence de jeune sainte. Il n'est pas de vertu dont nous ayons plus besoin qu'aujourd'hui. Elle est un bien précieux qu'il ne faut pas laisser perdre. Le faux respect des fausses vénération est le pire mal. Par un détour en apparence étrange, Jeanne nous apprend que l'insolence est à la base de toute reconstruction est à la base même de la sainteté. À ce mépris des grandeurs illusoires, elle a risqué et perdu seulement sa vie. Mais elle pensait qu'il est bon de risquer sa vie dans l'insolence lorsque l'on n'aime que les vraies grandeurs. Vive le roi, je vous remercie. <applause> Français parlons avec courage, je sur le sol qu'on rassemblait nos rois. Nous recevons en héritage un champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant. Qui donc a pillé le domaine Il faut savoir, il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, Pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France, il faut un roi. Action Française Et Action Française Et Action Française Et pour que vive la France Vive le roi